Est-ce que, avant de devenir, que le rugby devienne quelque chose de très important dans ta vie, est-ce que tu avais pensé un jour, dans ta jeunesse, que ça pourrait devenir le centre de ta vie? Non. Non, ça a pris une importance au fur et à mesure de ma vie. Et au fur et à mesure de ma vie, j'ai tout fait pour que ça prenne une place primordiale et pour que je réussisse surtout. Voilà. Pour gamin, je ne pensais pas faire de ma vie un truc humain professionnel, tout simplement. Quoi. Et tu as commencé à avoir ce sentiment de pouvoir le devenir à partir de quand? Ouais, vers 15-16 ans, il y a les premières. Moi je joue en Vendée, il n'y avait pas beaucoup de rugby, mais j'ai commencé à avoir les premières sélections départementales, régionales. Et puis. Puis voilà, tu as envie d'aller voir un peu plus haut ce qui se passe et d'un jour jouer contre des grands clubs qui étaient pour moi très, très lointains parce que voilà, jouer Toulouse ou des clubs comme ça, c'était à des années-lumière de la Vendée. Hein. Et puis petit à petit, ben, en fait, j'ai été contacté par La Rochelle, je suis parti au centre de formation et puis voilà, je me suis dit ben, maintenant il faut y aller à fond, si tu as envie de faire ça. Il faut se donner les moyens et j'ai été déterminé pour le faire. Quoi. D'accord. Est-ce qu'avant d'avoir cette détermination, tu te voyais faire autre chose dans ta vie? Tu avais une destinée professionnelle? Oui, vers 14-15 ans, j'ai failli rentrer dans une école de cuisine hôtelière, une école hôtelière. Et puis le hasard de la vie, on va dire, a fait que je n'ai pas fait. Et puis, du coup, ben, voilà, c'est le rugby qui a pris le pas. J'aurais pu faire custo et ne pas être là aujourd'hui. Voilà, ou parler de cuisine. Voilà. Est-ce que sans le rugby, tu te serais jeté dans la cuisine? Ouais, peut-être. Je suis aussi issu d'une famille un peu atypique où mon grand-père a créé un parc zoologique. Et c'est quelque chose qui me passionne aussi. C'est ma deuxième grande passion, on va dire. Pas forcément le parc zoologique en lui-même, mais tout ce qui est sauvegarde de l'environnement, animalière. Et c'est peut-être quelque chose que je ferai aujourd'hui. Ouais. Peut-être que je ferai plus tard maintenant. Et alors justement, tu as vécu pas loin des animaux. Est-ce que tu as eu la chance d'avoir des contacts réguliers avec eux? Ah oui. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 13-14 ans au zoo des Sables-d'Olonne. Mes parents étaient gérants. Donc forcément, j'ai approché, j'allais avec mon père qui nourrissait les lions. J'allais jamais toucher, mais bon voilà, on vivait à l'intérieur du zoo, la maison était à l'intérieur du zoo, donc voilà, on était en contact permanent avec tous ces animaux. Ah, je vais poser une question complètement débile, mais qu'est-ce qui est le plus dur, c'est d'approcher des lions ou de rentrer sur un terrain pour jouer contre une grande équipe, contre les directs? Je n'ai jamais approché les lions, donc on va dire que le plus dur, c'est d'être rentré sur un terrain. Il y a 88 personnes autour et de sortir vainqueur. Les vacances, vous en avez peu. Est-ce que toi, tu en profites pour partir à l'étranger, pour aller à la rencontre, par exemple, de ce monde que tu dis aimer? Oui. Pendant longtemps, j'ai voulu partir avec mon oncle qui bosse dans la sauvegarde animalière à travers le monde. Et il y a maintenant 2 ans, j'ai eu la chance de partir avec lui à Sumatra, où il travaille avec une association pour la sauvegarde du tigre de Sumatra. Et on a passé 15 jours là-bas, extraordinaire. Et c'était un grand moment et j'espère repartir souvent avec lui. Pourquoi extraordinaire? Parce que c'était 15 jours. On a vécu en forêt, on a vu comment sont gérées ces associations. Et on a vécu au milieu de populations qui vivent en pleine forêt tropicale. Quoi. C'est des moments inoubliables. Ouais. Est-ce qu'on se remet un peu en question sur son mode de vie? Ouais. Ouais, parce que c'est. On dit souvent c'est les personnes qui n'ont rien qui donnent tout. Et j'ai vécu dans des villages où il n'y a rien. Et on était reçus et curieux de nous voir, curieux de savoir ce qu'on pouvait apporter. Et ils nous donnaient tout, l'hospitalité, la chaleur humaine. Et c'était des moments forts. Ouais. C'est une expérience que tu aimerais répéter? Oui. Ouais.
bien que ça soit traduit par une expérience aussi un peu moins rigolote, c'est ça? Ouais, 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 bah c'est ça, ça arrive. Ouais. Ça arrive, ouais, j'ai attrapé le palu. Bon, ouais. Moment difficile aussi. J'ai cru arrêter le rugby. Hein. Je pensais vraiment arrêter le rugby. Les gens qui étaient autour de moi à ce moment-là le savent, que c'est pas des paroles en l'air. Mais voilà, je me suis battu. J'ai passé des sales moments tout seul. Après, j'ai tout fait pour reprendre les 10-15 kilos que j'avais perdus. Et puis voilà, j'ai réussi, quoi. Donc j'imagine que tu as dû faire deux fois plus de physique que les autres pour essayer de récupérer ce que tu avais perdu. Ouais, j'ai passé des moments difficiles. Ouais. J'ai passé 3-4 semaines tout seul en salle de muscu, à mauvais des séances de muscu. C'était dur parce que ouais, quand on perd du poids comme ça, le moindre effort physique fait très mal. Mais après, c'est 2-3 mois difficiles de maladie. Dès que j'ai recommencé à manger normalement, j'ai vite repris un petit peu de poids, donc le processus en fait a été assez rapide. Et il a fallu reprendre à courir, mais voilà, au début je ne faisais pas un tour de terrain sans pouvoir m'arrêter parce que j'avais plus de force, j'avais plus grand chose, mais après c'est revenu. Parce qu'après j'aurais parlé de l'aspect un peu entraînement physique, est-ce que c'est les souvenirs les plus durs que tu as d'entraînement physique de ta carrière? Non, parce que j'étais déterminé, je voulais revenir. Parce que j'avais besoin de me prouver que je pourrais revenir. Donc dans la tête, je savais que j'allais le faire, donc voilà. Non, peut-être le plus dur, c'est la première saison ici à Clermont. Ouais. La première saison, parce que voilà, on a un coach, Verne Cotter, qui fait des gros entraînements très durs, très intenses. Et c'est vrai qu'on a une préparation physique extrêmement intense. Ouais, c'est une des saisons les plus dures, la première année ici. Ouais. Qu'est-ce que c'est les exercices de physique que tu détestes le plus? Ouais, j'aime bien le physique, ça ne me dérange pas. C'est quelque chose que j'aime bien. Et je sais qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. Pour progresser, on a besoin de progresser physiquement pour être meilleur sur le terrain. Ce que je pense que les anglo-saxons ont compris peut-être mieux que nous. Nous, le physique, quand on fait du physique, ça nous fait chier. C'est vrai, c'est le mot. Alors que les anglo-saxons vont s'en servir justement pour être meilleurs sur le terrain, pour être plus performants. Meilleurs physiquement ils seront, meilleurs ils seront au rugby. Et nous, c'est un peu le contraire. Nous, on préfère faire du rugby et après faire le physique. Et donc, t'aimes tout, muscu, course, vitesse. Ouais. Il y a des mouvements par rapport au muscu que t'aimes bien, comme plus que l'autre? Non, le muscu j'en fais, mais voilà, si j'essaye, mais voilà, mais je peux en faire plus, mais voilà, j'en fais parce que c'est le rugby, quoi. D'accord. Voilà. C'est pas un plaisir particulier? Non, je préfère courir qu'aller faire de la muscu. D'accord. Est-ce que c'est bon les shakers de protéines pour les séances de muscu? Ça permet de récupérer, c'est vrai, ouais. Est-ce que c'est bon? Voilà, j'en prends pas tout le temps non plus, mais c'est vrai que pour la récupération, c'est quand même agréable. C'est quand même pas agréable, on va dire, bénéfique. Quand on a des rythmes soutenus comme ça, c'est important d'en prendre. Et c'est bon au goût? Il y a plein de tous les parfums, en fait. T'as tous les parfums, t'as chocolat, vanille, fraise, donc ça, c'est... tu choisis. Voilà, après, je pense qu'il faut pas aller au-delà. Est-ce que t'as découvert, clairement, vraiment une dimension différente du rugby? Ouais. Et en quoi? En tous les domaines. Voilà, moi, je suis venu ici pour évoluer. Et quand je suis arrivé ici, j'étais ravi, quoi, de ce que j'ai trouvé, quoi. C'est ce que je voulais. C'est comme ça que je voulais voir le rugby après, quoi. Après Bourgoin. Je suis tombé sur un coach qui s'appelle Van Cotter et qui m'a apporté énormément et qui... Voilà, il a une façon il laisse rien au hasard et rien n'est laissé au hasard dans la semaine, dans la stratégie, dans la façon d'aborder le match, dans la... qui me plaît, ultra professionnel aussi. C'est ce que je cherchais. Et voilà, après c'est un gros club, une structure et des structures énormes. On a tout pour réussir, on a que ça à penser.
Voilà, tu arrives au stade, tout est là pour toi, pour que tu réussisses, quoi, et pour que qu'une fois que tu arrives sur le terrain, tu te donnes à 200% pour l'équipe et pour réussir, quoi.